Le gouvernement gabonais fait du dialogue social le credo de son plan de relance économique. La rencontre du cabinet Julien Corbet-Calais et le patronat invite les secteurs publics et privés à un accompagnement de l'État dans la mise en place de ces réformes. Les investisseurs locaux apprécient la nature de ces concertations qui statuent par ailleurs sur la fiscalité et la dette publique. Pouvons effectivement avoir des entreprises qui seraient des entreprises économiquement dynamiques, les entreprises qui effectivement attendent que la partie de la dette qui est celle due par l'État soit faite, mais nous pensons que la mobilisation financière que l'État attend aujourd'hui est en train de se mettre en place. Le programme prévisionnel des émissions de titres publics pour le compte de l'année en cours fait état d'un montant d'emprunt de l'ordre de 740 milliards de francs CFA. Ce montant devrait gonfler la facture de la dette nationale qui inquiète les milieux d'affaires. Pour le gouvernement, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On doit payer, mais on doit savoir ce qu'on paye. Et il n'y a pas mille façons de savoir ce que l'on paye s'il n'y a pas d'audit. Il y a un audit qui est en cours, qui est réalisé par le cabinet PricewaterhouseCoopers, qui doit nous dire qu'est-ce qui est réellement dû et qu'est-ce qui a déjà été payé au titre de cette même dette et qui revient en termes de doublons, parce qu'il y a des doublons, il y a des dettes qui ont été payées une ou deux fois, voire trois fois. Et le Premier ministre ne dit pas autre chose lorsque d'un ton serein, il s'exprime devant le patronat. Le gouvernement a l'ambition, à côté des réformes structurelles nécessaires et indispensables, d'allier l'efficacité économique à la justice sociale. Finie donc cette rencontre a priori conviviale entre le chef du gouvernement gabonais et le patronat. Il faudra y voir l'espoir d'une accélération des investissements, donc facteur de croissance et de création d'emplois. C'est à raison. Les dernières notes du FMI indiquent clairement que le Gabon est en train de sortir de la zone rouge après avoir instauré une politique d'austérité. Ici Libreville, Ismaël Obianzé pour Medi1 TV Afrique.